ton mari, c'est ton mari. Explique-toi bien, Fatih. Oui, maman. C'est Arjuma. Il m'a frappé. Vous avez recommencé encore la bagarre? Oui. Hein? On n'en a jamais la paix dans cette maison. Il t'a encore foutu dehors? Foutu dehors? Est-ce qu'elle était dedans même? Toi? Qu'est-ce que tu dis, Drissa? Pauvre naïve là. Hein? Tu pensais qu'elle était chez son mari? Oui. Hein? Mais où voulais-tu qu'elle soit? Elle était bel et bien chez son mari. La preuve est là. Bon, de toute façon, on ne m'écoute jamais ici. Débrouillez-vous. Voilà. Tu as raison, Drissa. Mais personne ne t'a rien demandé. Et? Tu as compris? Hein? Fatih, je t'écoute. Explique-toi. Si tu savais comme j'ai souffert là-bas. C'était le love serré. Oh, tais-toi. Personne ne t'a rien demandé quelque chose. Tais-toi. Oui. Fatih, hein? Il ne m'a même pas laissé entrer chez lui. Même pas une minute. Mais il est gonflé à celui-là. Il te fait venir chez lui et il te laisse dehors comme une vulgaire serpillère. Hein? Mais où étais-tu donc? Hein? Chez la voisine, à côté de chez lui. Et toi, fous-nous la paix. Quitte là-bas. Hein? Allez. J'étais chez la voisine. Voilà. Tu savais cela et puis tu nous as rien dit. Hein? Abby, ce n'est pas toi qui m'as dit de toujours me taire. De m'occuper que de ceux qui me regardent. Maintenant, débrouillez-vous. Je vous regarde. Voilà. Drissa, au lieu de passer ton temps à bavarder inutilement, si tu passes à donner une belle correction au mari de Fatih, tu serviras à quelque chose. Tu connais que le mari à Fatih est costaud. Est-ce que moi je peux rester devant lui? Hein? Je ne veux pas. Hey, tu veux qu'il me donne un coup KO? Ah, moi je m'en vais chez mon ami Pépé. Hein? Tu vois? Quand je dis que tu ne sers plus à rien, tu vois que j'ai raison. Hein? Aïe, toi, tu sers à quelque chose. Maman, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, hein? Attends, je vais envoyer chercher Amadou. Bon, t'es là-bas, là. Aïe, 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 aïe. C'est juste. Vous avez une glacière chacun. Tout doit être vendu avant votre retour. Vous avez compris? C'est bien clair. Oui, tante. Tu t'es déjà dit de ne plus m'appeler tante. Hein? Je ne suis pas ta tante. Hein? Oui, patron. Si jamais tu bois tout mon puissant comme la dernière fois là, je vais te presser comme ça là. Ça va sortir, Sriki. Non, je ne vais pas toucher même. Mais Tantio, en parlant de manger là-haut, à quelle heure on peut repasser? Quand vous avez tout vendu, sinon vous allez dormir là-bas. Mais Tantio, c'est vrai. Haya, Maï, il faut quand même qu'on mange hein, pour avoir beaucoup de force là. Ouais. Ou bien? Toi, gros et rond comme une bille là. Hein? Un petit régime là te fera du bien. Mais Tantio, on ne peut pas avoir nos 10% tout de suite. Hein? C'est vrai, Siri qui a raison. Au moins dans nos 10% là, on pourra avoir quelque chose quand même pour manger et puis commencer le travail ou bien. Mais vous de là, vous êtes comme ça, vous êtes malade. Hein? Les 10% par jour là, c'est pour rembourser les 300 000 francs que vous me devez, bandit Dio. Yeah, tante, Maï, non, tiens, donc tu veux dire que nous on va rien avoir quoi, même pas 5 francs. Allez, dépêchez-vous! Vous êtes déjà en retard, même. Dépêchez-vous là, qu'est-ce que vous attendez? Comment ça, c'est ça, arrivé quelque part, tu vas prendre ça là aussi. Jamais. Comment? Tu ne penses pas que tu es un peu dur avec eux? Dur avec eux? Hein? Moi, je trouve que ce n'est même pas assez. Voilà, quand je pense quoi? 300 000 francs que tu as jetés dans la poubelle à cause de ces deux gogoles là, quoi. Oh, ça me fait trop mal. Toi aussi. Je ne voudrais pas qu'ils restent en prison toute leur vie, là. Comment voulais-tu qu'ils puissent rembourser 300 000 francs à ces Nadji-là? Ils allaient faire 20 ans en prison? 20, 100 ans en prison, je m'en fous. Plus bête que toi ici à Bobo là, il n'y en a pas. Quand même. Ce sont mes cousins là. Et puis chez qui est fait là? Hé, hey, au fait, quel jour tu parles commander ma mobilette?
Le problème, c'est que moi, je n'ai plus d'argent en ce moment. Pourtant, tu me l'avais promis à la fin de ce mois. Hein? Mais Maï, je vais le faire avec quel argent? Hein? Mais Amadou, qu'est-ce que tu as fait de ton argent? Attends, Maï. Vous voulez dire que je trouve les 300 000 francs que j'ai donnés au Ladji là? Ça, Fouroulaye. Donc c'est l'argent de ma mobilette que tu as pris pour gaspiller comme ça? Oh, mais calme-toi là. Yala. Ça va aller, calme-toi. Dans quelques mois, j'irai récupérer tous mes sous et puis tu verras, ne t'inquiète même pas. Ça va aller. Hmm? Voilà, Amadou, à partir de maintenant, là, tu vas me remettre intégralement tout ton salaire du mois. Tu as compris que ça prendra moins de temps pour récupérer mes 300 000. D'accord, d'accord. Tu feras comme tu le veux. Bon, moi je vais aller au service, je suis en retard. Hé! Hey. Travaille dur, hein? Demande à ton patron s'il ne peut pas te faire des heures supplémentaires. Oh. Bonne journée. Qui c'est encore? Entrez! Bonjour, madame. Bonjour. Mon petit, qu'est-ce que tu veux? C'est Tanti Abi qui m'envoie. Tanti qui? J'ai dit bien Tanti Abi. Elle veut que M. Amadou passe le plus vite possible en famille. C'est pour aller faire quoi là-bas? Ah, moi je sais pas. Hé, hey, mon petit, retourne lui dire que moi, Maï, j'ai dit que mon mari ne bougera pas d'ici. Qu'est-ce que tu attends? Tu veux ma photo, non? Allez, file! Voilà, elle croit qu'elle va avoir de l'argent cette fois-ci-là. Elle se fout le doigt dans l'œil. Oui. Alors bonjour Monsieur Souleymane. Encore vous? Oui. Mais vous n'avez rien à faire si ce n'est pas venu chez moi. Monsieur Souleymane, cela fait combien de fois que l'on vous envoie des rappels de paiement et toujours rien? Mais c'est qu'il n'y a rien pour vous. Ah. D'ailleurs, qui vous a indiqué chez moi? Vous pensez qu'en déménageant, nous n'allons pas vous trouver? Hé, hey, je viens de vous dire que je n'ai rien pour vous, monsieur. Mais pourtant votre entreprise marche très bien. Qu'est-ce que vous en savez? Vous pensez qu'on n'est pas au courant? Vous êtes là pour voir? Mais nous avons des services de renseignement. Nous sommes bien au courant. Si vous avez des services de renseignement, ils ont dû vous dire que je suis en faillite. Ah bon? Oui. Vous êtes en faillite? Et vous n'êtes pas venu faire une déclaration chez nous? Déclaration pour marquer quoi dessus, monsieur? Et si je suis en faillite, je ne vois pas en quoi ça va vous servir. C'est comme si je n'existais plus. Monsieur Souleymane, ce n'est pas aussi simple que vous le dites, hein? Vous êtes tenu de faire une déclaration accompagnée de votre bilan. Quel bilan? Pour votre marquer bilan? Quoi? Zéro? Mais même si c'est zéro, il faut le déclarer aux impôts. Ah oui? Wallahi Bilev, vous êtes vraiment drôle aux impôts. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec des zéros? Ça se voit que vous n'avez rien à faire chez vous. Ah, bon. Wallahi, allez-vous attacher comme ça au moins. Mais, monsieur Souleymane, en attendant, vous pouvez payer vos arriérés d'impôts. Vous avez reçu plusieurs rappels et aucune réponse. Mais attends, qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Si je ne vous réponds pas, c'est que je n'ai rien pour vous. Rien, monsieur. Bon, monsieur Souleymane, j'aime mieux vous prévenir. Et comme depuis le commencement, vous y mettez de la mauvaise foi, je serai donc obligé de... Oui? Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Oui. C'est une femme de l'action sociale. Ah bon? Elle est là pour étudier ma triste situation. Mais monsieur Souleymane, votre situation n'est pas aussi triste à ce que je vois. Et... Oui. Bon, mais néanmoins, je vous laisse. Uh-huh. Je vais voir un client à côté. C'est ça. Je reviens tout à l'heure. C'est ça. Monsieur, même si vous ne revenez pas, ce n'est pas grave. Je vais revenir. Hein? Oui, oui. Ah, mon gars, fal d'aban de la camp. Soulé. Oui, hé, Maï. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'action sociale là? C'est un voisin de casse-pied qui vient toujours pour me réclamer de l'argent. Hein? Bon, ça va, ce n'est pas grave, Maï. Ça va? Oui, ça et va. Et en famille? Et ton mari? Mon mari est trop bête. Hé, pourquoi? Il est parti gaspiller tout notre argent. Non, Maï. Tu exagères? C'était pour une bonne cause là. Quelle sale bonne cause? Hein? C'est l'argent de ma mobilette qui s'est envolée maintenant. Comment je vais faire? Ta mobilette? Quelle mobilette? La mobilette qu'Amadou allait me payer à la fin du mois. Maintenant, je serai obligée d'attendre combien de temps maintenant? Ah bon? Donc, tu veux dire que c'est l'argent de ta mobilette qui a servi à rembourser l'Adji? Oui, 300 000 balles. Non, comment 300 000 balles? C'était 200 000 balles quand même. Soulé, qu'est-ce que tu en sais toi? Eh?
Bon, Asafoulaye, je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Hey, Maye, c'est en passant ici par hasard que tu étais arrêté chez moi? Non, hein. Je suis venu te voir pour que tu fasses l'impossible. Afin que Souké et Siriki puissent me rendre mon argent rapidement. Mais en faisant quoi? À moins que tu ne veuilles qu'il recommence? Surtout pas. Tu veux que la police débarque sur moi? Mais comment tu veux qu'il te rembourse? Hein? Et tu ferais mieux de trouver une autre solution, hein? Justement, c'est pour ça que je suis venue. Pour que tu trouves une solution rapidos. Bon, il faudra repasser demain. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de clientes à recevoir. D'accord? Oui, oui. Bon, à la prochaine. Mais... Voilà, les consultations familiales, c'est zéro. Moi, je n'aime pas ça, quoi. Tiens, Bissap, moi-même, je suis trop fatigué de dire Bissap là maintenant. Tiens, oh, c'est quoi? Attends, je vais te dire quelque chose. Tu sais, hein? Et tu sais que tante Maya est trop méchante. J'ai trop faim. Hein? Elle aura pu nous donner 200 francs ce matin pour manger. J'ai assez rigolé, tout le monde. Celle-là donner 200 francs à quelqu'un, tu peux toujours attendre. Hé, Souké, tout est de ta faute. Comment ça, ma faute? C'est vrai. Tiens, attends, quand même, quand on était en manœuvre là, on mangeait du pâté, non? Hein? On pouvait finir la bouillie à tanti. En plus, j'avais du tout, on était bien là. Mais moi, je t'ai jamais demandé de me suivre, ou bien? Wallah, quoi, tout est de ta faute. Je n'aurais jamais dit t'écouter, quoi. Et en ce train-là, quoi, je ne serais jamais ton chauffeur comme c'était prévu. Non, calme-toi. Tu sais, dans la vie, quoi, hein? Il y a des hauts et puis il y a des bas aussi. En tout cas, depuis que je te connais là, on est en bas. Pourquoi tu es comme ça, mais ne t'inquiète pas. Wallah, un jour, quoi, hein, nous leur montrerons de quoi on est capable. Oh, Baba, ne te fatigue pas. On leur a déjà montré de quoi nous sommes capables. Toi, c'est que c'est pas la peine. Tu sais, tout début n'est pas facile. Hein? Et puis en plus, ça nous fait de l'expérience. Ah oui. Et c'est toi qui appelais les expériences dans les compétences ou les compétences dans les expériences comme Fatih. Mais elle aussi, elle a réussi. Non, Sriki. Hein? Non, faut pas nous comparer avec Fatih. Nous, là, on est fait pour réussir. Mais on a réussi. Vendeur de Bissap. Mais c'est une vraie réussite, là. Ou bien, si je voyais Cheikh Omar, quoi, je lui dirais de nous faire deux diplômes de vendeur de Bissap. Attends, on ne va pas aller vendre du Bissap au Sahel. Sahel vert et fleuri. Mais c'était une de tes bonnes idées, là. Bon, Sriki, si tu as des idées, tu peux les proposer aussi, ou bien? Non, moi, je n'ai pas d'idée. C'est toi qui en as. Bon, en attendant, on va rembourser l'argent de Maï. C'est pas fini. Mais qu'est-ce qu'on attend? On lui rembourse, c'est fini. Regardez, pourquoi tu es bête comme ça même? Hein? Avec quoi? Tu sais combien de temps ça va nous prendre? Non, on lui rembourse ce soir en arrivant. Voilà pourquoi j'ai dit que tu es trop bête là. Même si on vend 100 bissap par jour là, quoi. Il nous faudra 3 ans pour lui rembourser ce qu'on lui doit. Quoi? 3 ans. Assieds-toi d'abord, dépose ça. Quoi? Tiens. 3 ans. 3 ans. Non, moi je ne peux pas faire cela pendant 3 ans. 3 ans sans pâté, je ne peux pas. Mais c'est qu'on n'a pas le choix. Ou bien, attends, si tu as des idées, faut dire ça tout de suite. C'est toi qui as des idées, moi je n'en ai pas. Bon, pour le moment, allons. 3 ans. Viens, on va aller, on va tout faire pour rembourser ce qu'on doit à Maï. Non, ça là, je ne porte plus ça sur la tête encore même. Jamais. Ah, ma chérie, bonne arrivée. Mais c'est bon d'avoir son petit mari chéri préféré à la maison pour vous accueillir, hein? N'est-ce pas, hein? Aujourd'hui non plus, tu ne parles plus au boulot. Absolument, je suis là, je ne sors pas du tout. C'est pas vrai ça. Salut. Est-ce que je ne vais pas noter cet événement dans un carnet? Moi, toi aussi. N'exagère rien. C'est tout à fait normal quand même que de temps en temps, je reste à côté de toi. Quel changement. Maintenant, tu t'intéresses au roman photo? Ces romans d'amour là sont très intéressants. Et en plus, j'apprends des choses. Mais Salif, qu'est-ce que ces romans photo peuvent t'apprendre à toi? Mais, par exemple, comment me comporter avec toi? C'est vrai ça? Non, attends. Tiens, j'en ai d'autres encore. Ça c'est une, tu vois, tu vas faire aussi. Tu en as pour plusieurs jours. Merci. Alors, monsieur Suleiman, vous versez un acompte de combien aujourd'hui? Un acompte sur quoi? Mais bien sûr que sur vos arriérés d'impôts. Mais je viens de vous dire que je suis en faillite. Comment voulez-vous que je paye des arriérés ou des avancées? Mais décidément, on ne peut pas avancer avec vous. On ne peut pas. Mais je serai obligé de changer de méthode, hein. Voilà.
Comme ça, on va s'entendre. Ah bon? Oui. Ça, ça t'arrange. Étalez-moi vos avancées d'arriéré sur 20 ans. 20 ans? Mm-hmm. Non, ça, c'est pas possible. Ah bon? Tout ce que je peux faire pour vous, mm-hmm. c'est de les étaler sur 3 mois et à condition que vous payiez un tiers aujourd'hui. Mais et votre premier tiers là? Et vous ne pouvez pas me l'étaler sur 3 ans? Monsieur Suleiman, uh-huh. si vous persistez, je serai obligé d'envoyer un huissier. Ou bien, en bon. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Je vais envoyer un huissier. Uh-huh. Et attendez, je viens de suite. Aïe, dans la tara, yamugafala dabala kakatalakala. Depuis quand un marabout paye des impôts? Oui? Comment? Il n'est pas avec toi? Non, tanti. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il arrive dans un moment. Ah, Tandy, hein? C'est la dame là-bas. Hein? Elle a dit que moi, mon mari ne bougera pas d'ici. Bah. Mais elle devient de plus en plus gonflée, celle-là. Petit, il faut partir. Au revoir, Tandy. Dieu! Ouais, maman. Est-ce que je ne vais pas aller la beauté correctement? Fatih, si tu veux avoir notre bras en écharpe, vas-y. Hein? Mais c'est pas possible. Mais cette maille-là ne paie rien pour attendre. Je vais aller la corriger moi-même correctement. Mais maman, qui va corriger mon mari maintenant? Toi-même, tu vois, ton père ne sert plus à rien. Je suis obligée moi-même d'aller lui donner une bonne correction. Là, il ne va plus se foutre de nous. Attends, je vais chercher mon pilon. Ouais. Bonjour la compagnie. Bonjour. Hey, Salif, tu ne pars pas au travail? Hey, Maï, mon petit chéri a décidé de passer 2 jours en amoureux avec moi à la maison. Yeah, quel changement. Qu'est-ce qui t'arrive, Salif? Tu es malade? Maï, pourquoi tu parles bêtement comme ça? Ça veut dire quoi? Oumou, je dis ta grande soeur. Tu as compris? Je ne te permets pas de me parler. Je m'en fous de ça. Ça ne te va pas, non? Si tu fais ça, va chauffer tout de suite. Ça va chauffer. Je vais te. Mais faire quoi? Vous là. Pia, pia, pia. Go. C'est quoi? Vous ne pouvez pas me laisser faire ma lecture tranquillement? Ça veut dire quoi ça? Oh. Oh. Pardon, Baba. Yo. Encore après ton gombo. Donc si ce n'est pas du gombo, il n'y a rien d'autre à boire. Hey, mais laisse-moi tranquille. On avait dit tout quoi? Vu ici. Toi, tu sais que nous n'avons pas les mêmes moyens. À partir de maintenant, nous aussi on va manger sauce gombo à la maison. Nitike, yeah. Donc tu veux dire que ton mari aussi est au chômage? Hein, Oumou. Ah. Tu ne sais pas ce que ce tidou a fait, hein? Mais raconte vite. Et voilà. Il est parti donner 300 000 francs à l'Agi pour faire libérer ses 2 cousins de prison. Ces dago là. Donc tu veux dire que l'affaire là est réglée comme ça? Voilà. C'est vraiment dommage. On ne va même pas connaître le troisième complice, le cerveau là. Aïe. J'ai oublié que j'avais rendez-vous. Un rendez-vous très important avec un client là. Il faut que je parle. Mais Salif, ça ne me presse pas. Hein? Oh non. Ce n'est pas en restant ici à lire des âneries pareilles que je vais trouver de l'argent. Il faut que je parte. Neb Tara. Voilà, tu es contente de toi maintenant. Hein? Oumou, Kabako, qu'est-ce que moi j'ai dit? Mais Maï, avant que tu n'arrives là, on était là tous les deux tranquilles. Maintenant je dérange? Oui. Ça alors, c'est nouveau. Hein, Oumou? Oui, tu déranges. Tu as fait que Salif est parti maintenant. Il comment que dit? Oh, ce n'est pas arrivé là-bas où je m'en vais. Voilà. Oui, vas-y, pars. Il ne fallait même pas venir. Je m'en vais. Il part. N'y a pas qu'il n'y ait fait tout venir. Hey, madame. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Vous cherchez quelqu'un? Oui, je cherche la porte de Argument. C'est la porte à côté. Mais est-ce qu'il est là présentement? Oui. Il doit être là. D'ailleurs, il doit sortir bientôt. Mais madame, oui? Vous êtes la première ou la deuxième? Parce que moi, je ne comprends plus rien ici. Oui. Je suis la dixième. Oui. C'est quoi? C'est quoi encore? C'est ça. Aujourd'hui, c'est ton tour. C'est bien fait pour toi. Hé, comment tu fais?
Brah. Ouais. Je demande la permission pour aller voir ma copine là. Laquelle? La même rapporteuse là? Aïe, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Hein? Rien. Je l'aime pas et puis c'est tout. Bonjour papa. Bonjour ma fille. Bonjour maman. Bonjour Maï. Et ton mari? Maman, ne me parle pas de ce studio. Hey, qu'est-ce qu'il t'a encore fait, hein? Il a pris toutes nos économies pour aller libérer ses deux cousins de prison. Mais ton mari, il a vraiment de l'argent jeté par la fenêtre, hein? Quand j'y pense, papa, ça me fait trop mal. C'est normal qu'il fasse sortir ses cousins de prison, hein? Si c'était tes filles, Brahma, tu allais faire autant. Mais ça ne va pas la tête chez toi, bien quoi? Tu traites mes filles de voleuses maintenant? Papa, ce n'est pas ce que maman a voulu dire. Eh bien, c'est mieux pour elle, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ma fille, à part ça, quelle nouvelle? Je viens de chez Oumu. Maman, maintenant il faudrait que je fasse fuir son mari quand je lui rends visite. Dieu. Comment ça? Faire fuir son mari? Explique-toi. Maman, soi-disant, qu'elle vivait en amoureux depuis 2 jours avec son mari. Hein? À mon arrivée, ça les fait fuir comme un voleur. Mais sûrement que tu es parti encore dire des âneries là-bas, comme vous avez l'habitude d'en sortir ici tous les jours. Papa. Il a fui juste quand j'ai dit qu'Amadou a fait sortir ses deux cousins de prison. Peut-être qu'il veut prendre leur place pendant qu'elle est libre et toute chaude là. Brahma, il te savariwa. Kassavari ne mouillé. Papa. Oui. Ce matin, je suis passé chez Soulé. Uh-huh. On dirait qu'il a de nouveau des problèmes avec son inspecteur des impôts. Ah bon? Mais tu vois, c'est pas grave, ça, tu vas voir. Je vais aller lui régler ces problèmes-là tout de suite, moi. Ça va même pas mettre du temps. Bon bissap glacé. Bon bissap. Bissap. Hein? Bissap. Ah, tu veux bissap? Hey! Souké, tu as vu? Il est parti sans payer. Hey, Sergi, laisse tomber tout ça, viens, suis-moi. Ça ne va plus durer. Hein. Laisse ça, viens, oh! Laisse le petit là. Hey, ça, c'est quel boulot comme ça? Hey, Allah! Où il est ce marabout là? Hein? Hé, hey, tonton! Ouais! Qu'est-ce que tu fais avec mon ancien soulier? Non, mais attends une minute là. Tu veux la répéter? Mais il paraît que tu as encore des problèmes avec ton inspecteur des impôts? Tonton, comment l'as-tu appris? Oh, mais arrête de parler. Tu es devenu un marabout aussi? Arrête de parler comme un âne là. Hein? Je suis là pour te débarrasser de ton casse-pied. Et puis fais-moi confiance, ça va pas mettre du temps là. Ah bon? Mais tonton, comment tu comptes-tu prendre? Non, mais c'est pas compliqué ça. Tu ramasses tes nyamayamas, tu ramasses tout ça, tu vas dans ma chambre. Je m'installe ici comme le nouveau locataire. Vraiment? Tu vas voir. Dieu merci. Ah oui. Ça, c'est voir que tu as une bonne idée. Allez, ramasse-moi tout ça à la vitesse. Voilà. Hé, on rentre déjà? Alors qu'on n'a rien vendu. Yama, il va nous tuer aujourd'hui. On s'en fout, d'ailleurs, on restera même pas ici. Où on va aller? Hein? Non, j'ai tout prévu, je sais où on va aller. Je sais, c'est pas pour aller en prison encore. Moi, je te suis pas là-bas. Y a rien à manger là-bas. Hé, hey, viens, on va poser les glacières doucement sans faire du bruit et puis on fout le camp. Moi, je rentre pas dans la cour là pour entrer. La dernière fois. Changement comme ça. Bonjour monsieur. Mais ça ne va pas la tête chez vous ou bien quoi? Vous croyez dans un cabaret? Vous arrivez, vous rentrez, vous savez qu'on vous disait rien. Mais où vous croyez là? Excusez-moi monsieur. Monsieur Suleiman est-il là?
Qui ça? Monsieur Souleymane. Il n'y a pas de Souleymane ici. Pourtant, il était là ce matin. Mais vous avez dit ce matin. Mais cet après-midi, c'est le nouveau locataire qui est là. Vous êtes arrivé depuis quand? Et si vous déguerpissez pas, je vais vous arranger le portrait, moi. C'est là-bas. Faut pas mettre du temps là. Coucou! Moi, Bibif! C'est moi! Oh, il n'y a pas de Bibif là. Allez, foutez-moi le camp dehors là. Tu es en vitesse. Je sais où il est. Et bon ami. Oh! Mais Bibif, qu'est-ce que tu fais tout seul dans le noir? Allah! La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Monsieur Lucier, voulez-vous bien entrer saisir l'ordinateur, s'il vous plaît? Oui?